plusieurs rendez-vous qu'on y va vous-même. Mais ça n'arrête pas de la journée. Soir, elle a le droit, moi je peux intervenir qu'à 10h05. Mais je deviens folle, moi! Si ça continue, je suis capable de la tuer! En ce cas, j'interviendrai, quelle que soit l'heure. Au revoir, madame. Raté! Mais c'est encore bien promis de descendre un flic avant le déjeuner. Le flic consommé à jeun est indigeste. Pas la peine d'être interne des hôpitaux pour pas savoir ça. Dis donc, Chauvin. Oui. Viens me voir tout à l'heure, j'ai quelque chose à te montrer. Là. Bonjour. Bonjour, Étienne. Bonjour, mon Jean. Vous avez bien travaillé? Écoute, maman, tu sais bien que c'est pas le moment de lui parler. J'aime bien Étienne. Mais je sais pas si tu as remarqué, c'est jamais le moment de lui parler. Dis donc, Anne-Marie, il y a quelque chose qui ne colle pas, là. Mais c'est trop large. Faut que tu reprennes ta pince, là, au milieu. Tu vois? Vu. Tu n'auras jamais fini ce soir. Merci, vieille branche. Vieille branche. Non, décidément, je ne m'habituerai jamais à entendre tes beaux enfants te traiter de la sorte. Ça vaut mieux qu'ils me détestaient, non? Ce qui est souvent la règle quand un père se remarie. Mais bien, je les trouve charmants, tous les deux. N'empêche que je ne serai vraiment tranquille que le jour où Étienne et toi, vous aurez un enfant, hein, vrai. Je veux dire à vous. Oh, écoute, maman, je t'en prie.